Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, c'est avec consternation que nous avons appris aujourd'hui, 28 août 2021, que le despote sanguinaire guinéen Alpha Condé est venu à Berlin où s'organise le sommet Compact West Africa le vendredi 27 août 2021 dans le cadre du G20. Alpha Condé, le kidnappeur et preneur d'otages en Guinée, l'assassin de Roger Bamba, homme politique, Mamouna Camara, vieille femme de 70 ans, Ibrahima Sow, 62 ans, torturé à mort, Salimatou Ba, 22 ans, Mamadou Ouri Bari, 21 ans, Mamadou Lamarana Diallo, 16 ans, Ouri Baylo Diallo, 15 ans, Mamadou Saïdou Diallo, 14 ans, Oumar Diallo, 10 ans, Sekou Oumar Diallo, 7 ans, Mamadou Midiaou Diallo, 3 ans, Mariatou Ba, 3 ans, et quelques 400 autres filles et fils guinéens tués par balle. Très déçu, j'ai posé la question à une personnalité politique allemande. En ces termes, je cite, « Vous faites la promotion de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Comment pouvez-vous inviter ici un despote sanguinaire et poutiste comme Alpha Condé, un chef d'État qui ne respecte même pas des arrêts de justice, pas seulement de la Guinée, mais même de la cour de la CEDEAO. Un homme hors la loi, à tout point de vue. Il m'a fait savoir qu'Alpha Condé ne fait pas partie des invités d'honneur et que l'Allemagne ne peut pas refouler un chef d'État qui profite d'un sommet international pour venir remercier la chancelière qui fait ses adieux. Sinon, qu'il ne se sente pas et non plus bien de voir des dirigeants corrompus et sanguinaires ici dans leur pays. Il m'a fait remarquer que la Guinée pourrait plus offrir à l'Allemagne que le Sénégal. Mais que le président du Sénégal, Macky Sall, a déjà été invité 4 fois par le gouvernement allemand. Pas celui de la Guinée. Bien sûr, parce que le président Macky Sall inspire du respect. Comparé à la Guinée, le Sénégal est un état de droit. C'est un état qui est avancé sur le chemin de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Certes, mes chers compatriotes, le despote corrompu et sanguinaire Alpha Condé n'a pas été invité d'honneur du gouvernement allemand. Mais sa présence dans ce pays est une occasion pour nous de montrer au peuple allemand et au monde entier que ce démon ne mérite pas des honneurs dans un pays de droit. En effet, l'Allemagne est en campagne électorale. Une mobilisation remarquable pour dénoncer la présence sur le sol allemand d'un criminel, falsificateur de la Constitution, responsable de la mort par balle de plus de 400 enfants et jeunes mineurs guinéens, ferait tourner l'attention des médias sur lui et des politiciens allemands seront interpellés à se prononcer à son sujet. Mes chers compatriotes, Alpha Condé, même après sa mort, continuera de tuer des enfants de la Guinée, avec l'appauvrissement de notre peuple, la destruction de l'environnement et le pillage systématique des ressources du pays. En effet, il vient d'octroyer
une autorisation d'exploitation d'une mine d'or en Guinée au Burkinabé et Bomaf, entreprise Bokungu, Mahamadou et fils. Une société écran dans laquelle Alpha Condé blanchit l'argent. Pour le moment, l'information est gardée secrète, tant par les autorités guinéennes que burkinabées, malgré l'importance du gisement d'or guinéen cédé à un burkinabé qui n'a rien du domaine minier. C'est une société du BTP, bâtiments et travaux publics. On peut lire dans Financial Afrique, je cite, Ebomaf va exploiter des plus importants sites miniers d'Afrique. Le démarrage des travaux de la construction est prévu avant la fin de l'année et le premier lingot d'or pourrait être attendu en début 2023. Peut-on lire dans Financial Afrique. De sources concordantes, il s'agirait des sites de Consitel dont l'exploitation est interdite aux Guinéens par Alpha Condé. Il veut donner ces sites-là, l'une des plus importantes mines d'or de notre pays, à un Burkinabé qui n'a aucune expérience de traitement des mines, qui n'a rien à voir avec le domaine minier. Eh bien, il aurait pu aussi le donner à un Guinéen, n'importe quel Guinéen. Pourquoi vouloir donner ça à ce Burkinabé? Pourquoi ce Burkinabé qui n'a aucun rapport avec les mines? Et de surcroît, ce monsieur-là, il a déjà escroqué notre pays. Comment peut-on donner nos mines d'or industrielles à un type qui n'a pas honoré le projet routier de Cancan pour lequel il avait été surpayé en 2014. Qu'Alpha Condé et son parent Mahamadou Bokungu sachent que le peuple de Guinée ne va pas accepter ça. Nous y résisterons par tous les moyens. Cette affaire sera l'objet de ma prochaine communication. Je vous remercie. Et mes chers compatriotes, quand on a appris le samedi qu'Alpha Condé est à Berlin, nous avons essayé de faire des démarches pour mettre en place une organisation pour pouvoir harceler le dictateur et le chasser d'ici. Fort malheureusement, nous apprenons qu'il a déjà quitté l'Allemagne. Malheureusement, nous aurions vraiment pu, nous aurions aimé cette fois-ci, en découdre avec Alpha Condé, ici, sur le sol allemand, dans un pays de droit, un pays de démocratie.